Salut à tous les gars, c'est Vinsky, c'est Raïm et c'est genre du Vinsky FC. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo draft mais sur la chaîne du Vinsky FC. C'est la première fois qu'on fait ça avec que des cartes à plus de 90 de notes. Donc vraiment il y aura des drafts normalement de fou. Aujourd'hui avec Raïm on est des capitaines, c'est important. Raïm il est gaucher, et bah vous savez quoi, il a les deux gauchers avec lui. Il est avec les maillots blancs. Ici on a Arthur, meilleur buteur du Vinsky FC qui m'a remplacé pendant ma blessure. Oh, wow, wow, calme-toi. Chemzedine, 1,6 million sur TikTok avec un coup du foulard. Les droitiers, déjà le maillot de Jolie Pépite, c'est important. Maillot extérieur. Smith les gars, 7-8, voilà. Quel joueur. Et Cristobal, 88. Regardez Chem, son bandeau il est trop serré. Son cerveau il est serré. Ça y est, il nous a mis un beau bonnet de bain. Oh, ça commence. Il y aura des reprises, des frappes arrêtées, des frappes avec des passes en retrait. Je vais parler à mon équipe, on a de la stratégie à faire. Et surtout important, je le rappelle, c'est toujours vous dans les commentaires qui voterez pour la meilleure draft. Bon les gars, ouais, c'est simple. La draft c'est pas comme le football. Ah, ok. C'est pas le talon dans le pied. Ah, okay. C'est le mental. Ok. Faut vraiment être là-dedans très solide. Et si vous rentrez dans leur cerveau, ils vont avoir que des attaquants. Vous oubliez pas, en bas, il y a les milieux. C'est important. Au début, visez les milieux et les défenseurs. Ne visez pas les attaquants. Les attaquants, vous allez en avoir, il y en a trop en fait. Vous vous dites là, on va viser des cartes et tout. C'est dur à viser les gars. Juste cadré. Plus vous visez sur les côtés, meilleur les cartes sont. Il y a du Pelé en lucarne droite, il y a du Zidane en lucarne gauche, il y a du Messi, etc. Quelle carte absolument vous voudriez avoir dans votre draft? C'est intéressant, hein, Zidane, Messi, Maradona, Pelé, moi ça me dit bien. Ouais. Genre c'est sûr vous allez avoir Messi. Messi et Pelé, comme ça on a 2,99. Ok, il a dit Messi sûr. Ok, c'est bon. Bon. Moi c'est Ronaldinho. Ronaldinho. Ah, ouais. Il connaît R10. Le Jinga. Moi c'est Cristiano, hein, toujours. Hein. Ah, jusqu'à la fin, jaune, rouge, Al Nassr, Real, jusqu'à la fin. Par rapport à nos drafts, là c'est facile, le gardien on va choisir directement pour pas qu'il y ait de doublon ou de déséquilibre. Du coup, soit c'est Yashin, soit c'est Neuer. Attention, vous êtes prêts? Pierre, feuille, ciseaux. C'est clair. C'est gagné, c'est gagné. Concertation. On se concerte. On se concerte. Yashin, après, moi, je me raconte pas d'histoire. Je l'ai jamais vu jouer, j'ai vu que Neuer. Oui. Moi, je me raconte pas d'histoire. Mais c'est une légende et tout le monde sait que c'est le gardien un peu. Alors, on part sur le. Avec son béret et tout là. Les gars, n'oubliez pas, Yashin, c'est une légende. Il se connecte en plus avec tout le monde niveau collectif. On prend Yashin. Du foot ou du volet? Sortez! Arthur, tu sais, les reprises, c'est pas avec le fémur. Ronaldinho! Il a pris leur carte! Il a pris leur carte! Il nous a volé! Direct! Il a dit je voulais Ronaldinho, c'est fini. Repose ça, c'est pas toi. Reposez ça. Mon cœur tombe. Je ne comprends pas. C'est mon joueur ça, oui. Oui, bah la prochaine fois, prends un café, Chris. Si, vamos, vamos. Avoue que tu voulais Ronaldo. Ah oui, c'est vrai, à côté. Ça vient après, c'est le début. Nous, on est dans la délicatesse. La carte est toujours intacte. C'est important, les gars. Eusebio, les gars, tous les portugais dans les commentaires, ça vote déjà pour nous. Oui. Oui, oh oui, c'est beau. Le goal, l'aurait pas eu. Oh. C'est motivant, oui. Oui. Oh oui, la tête. Oh oui. Oh, c'est ridicule. C'est simple. C'est la dernière fois que j'accepte des buts comme ça, les prochains je les enlève. On a eu une carte chacun avec des buts foireux. C'est Van Dijk par contre, c'est une très très bonne carte. Franchement un défenseur complet, hein. Grand, rapide, assez physique. Quoi de mieux actuellement, j'ai envie de dire. Bah, quoi de mieux, il y en a d'autres, hein. Il y a du De Sailly par exemple. Oh là. Oui. Oh putain. Erling Haaland. Cyborg, hein, le cyborg. Ah, c'est l'homme le plus en forme des numéro 9 en ce moment. Je veux au moins deux essais de ciseaux ou de un truc où tu t'envoles un petit peu. Vas-y. Je veux que tu. En fait, je veux que tu salisses un peu ce match. Vas-y, on va un tout petit peu. Merci. Après, je joue demain, faut que je. On s'en tape. Okay. On s'en tape. Tu joueras sale. Oh. Ah, je lui ai demandé. Alors, je t'ai demandé de t'envoler, pas la balle. Hein. Wow. Faut vraiment que tu fasses la distinction. Il a vu derrière là. Ah, il a vu derrière. Il envoie les ballons. Ah, bah tiens, regarde. Je suis pied droit, je suis pas droitier. Moi je suis dans le Brésil. Moi je suis dans le Brésil. On est les gauchers, je marque du pied droit. C'est bizarre cette histoire.
Il y a un pépin. Tu vas pas reperdre une draft quand même. Non. Non. Oh, oh oui, pour moi, je... Pour moi, je... Je vais prendre Modric ou pas? Mais non, 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 c'est pas le marché ici. Ouais. Vous avez vu, ça commence déjà à essayer. Parce que lui, il est propriétaire de sa chaîne, mais là, c'est notre chaîne. Là, c'est le Vinsky FC, il fait pas ce qu'il veut, là, aujourd'hui. Ça s'appelle Vinsky FC, quand même. Il y a un peu marqué Raïm FC, mais... Non, mais c'est à lui, quand même. Ah, le logo, vous pensez que c'est par rapport à lui? Ouais. Ah, d'accord. Je crois qu'en fait, il y a encore beaucoup de trucs qui sont là. Ah, il y a beaucoup de choses sur lui, quoi. Ouais. Bon, bah, prenez la carte que vous voulez, hein, désolé. Ah ouais. Ah ouais. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh, c'est Marquinhos. C'est Marquinhos. Marquis, c'est PSG. C'est mon gars, t'as vu, hein? Sur des arrêts de jeu. Eh les gars, vous avez remarqué un truc? Ils ont la même équipe que nous, mais en moins cher. T'as dit quoi? Marquinhos, c'est moins fort que Van Dijk. Oh, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Viens, Marquinhos, c'est moins fort que Van Dijk. Marquinhos, il attrape Van Dijk comme ça, tu me dis. Allende, il est plus fort que Ronaldo. Eh, hey, viens, on continue. Allende, il est plus fort que Ronaldo. Du coup, les reprises, c'est terminé. Pour le coup, ça s'est plutôt bien passé pour nous, je trouve qu'on est un peu en avantage. Mais quel mytho. Non, ça, c'est le début de la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a eu des bonnes cartes des deux côtés, vous avez des bonnes cartes, c'est vrai. Ce qui est bien, c'est que pour l'instant, les deux équipes, elles ont l'air cohérentes. Il n'y a pas que des attaquants, il y a de la défense, il y a un peu tout. Oh oui. J'ai donné une consigne à mon équipe. Modric, tu sais, comme j'aime casser les cartes. Ouais, tu prends pas de cartes. Hein, on déchire toutes les cartes. Arthur, pour l'instant, t'es bon, mon chouchou de l'équipe. Bon, désolé, Chems. Excuse-moi, c'est mon chouchou. Non, vous avez pas un maillot noir, s'il vous plaît? Comme on a parlé, Chems. Ah, tu détruis la carte, t'appliques les consignes. Par contre, t'as continué à être têtu, t'as frappé de l'autre côté. Ouais, mais c'est parce que. Non, bien joué, j'aime bien. Putain, t'y crois, c'est beau ça. Il a pris quoi? Jorginho, ouais, trop bien. Trop cool, c'est mon joueur préféré. Non, c'est nul. Si, c'est trop bien. Non, c'est si. Nul. C'est pour aller au mode avec Modric. Modric, Jorginho ou... Ouais, Modric, Jorginho, t'as mieux toi? Juste laisser les marquer un ou deux trucs, on a un match demain. J'aimerais pas qu'il parte confiance. Ouais, vas-y, ça. La taupe, elle fait que de me gêner. Pas vu. Pour moi c'est Maldini. C'est celui de gauche. Pour moi c'est celui de gauche. Pour moi c'est le monteur qui a raison. Là on est en train de faire une équipe. J'avoue, là on est en train de faire une équipe. On va aller se reposer un petit peu. Ils ont toujours pas touché une carte. Ouais. Allez, on y va. On a fini nos... Bon, allez. Allez les gars. Ils savent pas ce qui va se passer. Un jour, Arsène avait dit que c'était un retrait de GT parce qu'il a que des 90 partout, regarde. Ah ouais, regarde. C'est très rare dans FIFA. Donc là, tu vas utiliser Arsène pour ton argument. Ouais, Arsène, c'est un spécialiste. Sous prétexte que tu connais des gens un peu connus. Bah, moi, ma mère, elle a dit que Jorginho, c'était le meilleur. Est-ce que ça compte? Ma mère, elle aime trop Jorginho. Genre, ma mère, c'est moins bien qu'Arsène. C'est ça que t'es en train de dire? En FIFA, oui. Non, mais non. C'est vrai que ma mère, elle prend 10-0 contre Arsène à FIFA, c'est sûr. Oh oui, 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 Diego, Diego, si, il y a Diego. Muy bien, voilà, on rééquilibre. 88, incredible. Non, là, c'est génial parce que il y a très peu d'arrêts latéraux dans les cartes. Fin des frappes avec la petite passe. Sincèrement, on a rebattu les cartes. Là, oui, franchement. Je pense que vous avez bel avantage. Et surtout, il y a eu du football. Et maintenant, on le sait tous, c'est les lucarnes qu'on vise absolument dans les balles arrêtées. Là, il y a du Zizou, il y a du Pelé. Il y a du Zidane, il y a du Messi, c'est juste incroyable. Bien joué. Ah, ça vise les lucarnes. Il est déçu, vous l'avez Dembélé. Vu, vous l'avez vu à la caméra. Il voulait Pelé, mais on est content pour Dembélé. Oui, bah oui. On est content pour Dembélé. C'est comme si tu gagnes 200 euros, et si tu gagnes 250 euros, t'es plus content, tu vois. On attaque, on a quand même Dembélé et on a Haaland. C'est combien de Ligue des Champions à eux deux là? Mais c'est très très fort. Ouais, c'est très 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 zéro fort. Ligue des Champions. C'est très 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 fort. Ça court très vite. Oh. Alors ça... Ça, hey, tu coupes pas au montage. Je veux que les gens qui voient à quel point c'est galère à chaque fois qu'on tire. Exact, il y a tout à remettre. Vous voyez Pelé?
Je le vois toujours. Hein. Il est bien collé, hein. Exactement ce qu'il nous fallait, 3 décès. Ouais. On voulait peler, depuis tout à l'heure tout le monde veut peler. Regardez là-bas. Nous, nos joueurs, quand ils parlent, ils font. Bah, nous aussi. Bah, non, il a dit pelé, ça a été fait. On va viser Messi. Ah, vous visez, là, vous visez Messi. On va viser Messi. Ça veut dire que là, la prochaine carte, c'est Messi. C'est J. Non, c'est ok. Zidane ou Messi. Allez, je vous laisse deux chances. Tout à l'heure, il dit Zidane. Il nous faut un défenseur central, c'est nickel. C'est nickel. Mais non. Zidane, il est là-bas. Zidane, il est là-bas. Qui s'est juste trompé de chose. Oh, ça aurait été pas mal, ça. Oh oui, il a touché Mbappé. Il a touché Mbappé. Arthur est en mode MVP. Je vous l'avais présenté comme le meilleur buteur du Vince KFC. Bah, on n'a pas menti, quoi. Ils sont un peu le seum derrière là. C'est Messi qu'on va toucher les gars. Il a réussi à faire un dégradé à Zidane alors qu'il a pas de cheveux. Regarde notre attaque s'il te plaît. Alors, regarde. Mbappé, ah, R9, regarde, regarde, le frère Ronaldo. Regarde, il a des problèmes. Il a des problèmes de compo. Ouais, il a des problèmes de compo. Et il commence à s'en rendre compte. C'est la paye. Des problèmes de Vizca, c'est pour ça qu'il perd toutes les draps. Il a tous les attaques. T'as pas dit Ronaldo Forever. La stratégie a changé. Non, moi je sais pas. C'est la présence de mon pauvre. C'est nous. Roberto Carlos, nickel. Moi je pense que c'est beau sur un extérieur remporter Roberto Carlos. C'est vrai, ça vaut. Enfin, pour l'histoire. Il est même pas convaincant. Oh, regarde, regarde. Ah bah. Vince Sky, il y croit déjà plus. Il est à côté de son poteau. Et il attend les balles parce qu'il sait. Voilà, Gullit, il le voulait. Regarde comment il était sûr. Regarde comment il était sûr. Mais Gullit, il est pas militaire. La défaite de la vidéo. Gullit, ouais. Non, Gullit, il court trop vite, tout ça. T'es une légende. James Dealer. Franchement, on va pas faire long. On va pas faire long, ça si c'est vous sûr. Connaissez le football, vous avez juste à regarder les cartes. Voilà, déjà. Les capacités, les qualités de chaque joueur. Déjà derrière ça court, regarde, minimum 80 de vitesse, 82, 91, 83, 93. Jorginho, 97 de général avec Modric, vous connaissez le petit croate. Ensuite on peut vite passer à l'attaque. Il y a Mbappé, R9. Moi je pense qu'il faut arrêter là, c'est bon, t'as pas besoin de parler. Ah ouais, c'est bon. Vous allez regarder leur équipe. Regardez leur tête. Non, c'est quoi, je suis content. Non, t'es pas content, t'as perdu. Vous avez une moitié d'équipe. On a tous ses joueurs préférés. Il y a Ronaldinho, il y a Mbappé. Ouais, ça y est, c'est fini. C'est un premier temps. Tu voulais qui au début la vidéo Moi, je voulais Ronaldinho, mais il a tiré avant moi. Alors, on va commencer avec une défense à 3. Certains diront, mais quand c'est une droitière, c'est des. Il a commencé latéral gauche, parce qu'il y avait Walker à droite. Donc, il revient à ses origines. Il a les deux pieds. Monsieur Desailly, viens un contre un. Viens seulement, il va te manger. Les connaisseurs de FIFA, Gullit. Oh la merde, il va jouer partout. Il manque un bout de carte, il n'y avait pas marqué AT ici. Non. Oui mais non, je demande aucun ou non, je demande. Bref, c'est un MC grave. Complet. Incroyable, on avance. Non, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils font là ces deux-là? Maradona. T'as Maradona, comment tu veux perdre? Maradona. Électron libre, incroyable. Ensuite. Oh là là, Pulga. 99. 89 99. Ah oui c'est vrai. Oh. Cut 99 Dembouz. Oh, oh. Les deux pieds. Il a les deux pieds. Et devant, oui ils ont R9 et tout. Mais nous c'est minimum tri. Minimum tri. Le cyborg. Le cyborg. On est d'accord que t'as tout misé sur l'humour, pas sur l'équipe. Non, pas du tout, notre équipe. Non, mais super fort. En tout cas, vous êtes plus drôle que mon équipe. On arrive à la fin de la vidéo. Donc déjà, je vais inviter les gens à voter dans les commentaires pour leur duo préféré au niveau de la draft. Qui pour eux a la meilleure draft? Est-ce que c'est l'équipe des maillots noirs ou l'équipe du maillot blanc? T'en penses quoi toi, Raïm? Moi, je...
Il a perdu, ils ont perdu. Je suis très fier de mon équipe. On m'a fait honneur avec un extérieur du pied. On a fait une équipe construite comme moi je l'ai fait dans les drafts. Je tiens quand même à remercier mes adversaires parce que il n'y a pas une belle victoire sans belle défaite. Et ça me fait plaisir. Moi je suis content parce que en fait grâce à eux je vais enfin gagner une draft. Ceux qui perdent, ils payent la graille aux autres. Est-ce qu'on est d'accord? On regarde, on fait un bilan dans une. Une semaine après la vidéo. Deux, trois semaines. On fait un bilan et on paye la graille aux autres. Ça sera vous qui du coup élirez la draft et j'ai pas beaucoup d'argent. Les blindés. Non. Les fans de moi c'est un peu difficile en ce moment. Merci beaucoup, Stevin Sky et toute l'équipe les gars. Merci beaucoup. Comment on vit Sky FC? Let's go.